Bonjour les amis, alors en fait aujourd'hui je vais vous faire, on va finir de monter le sous-marin. Il y a des petits défauts à essayer de corriger, je pourrais pas décourager tous les petits défauts. Et là maintenant je vais essayer de corriger en fait, si on regarde bien, ici on a une grosse un gros défaut à ce niveau là, donc on va essayer de colmater et de cacher la misère. Là. Donc on le voit aussi de ce côté là. De ce côté là on voit, il y a pas mal de défauts à ce niveau là. Et après il y a des grilles, il y a pas mal de... Alors ici c'est la jonction, ici je vais faire de spécial parce qu'en fait ici on est sur la partie, comme vous expliquez, donc ici on a la partie de transmission pour avec les arbres d'hélice. On a ici les arbres d'hélice et en fait ici on a tout le caisson étanche qui va jusqu'ici à peu près, qui va nous permettre de... Alors là ici il faut que je prenne une vis par ce petit trou là. Je le desserre pour que je désasse ensemble le devant de l'arrière. Et en fait, il se coupe à ce niveau-là. Et ça fait donc deux parties de 1m50 en gros qui vont pouvoir se mettre. Ça rentre mieux dans la voiture en même temps. Ça donne plus de simplicité pour le ranger dans la voiture. Donc là, on va le mettre en peinture. Les haubans, tout ce qui va être en déco en supplémentaire, il reste deux petits modules à fixer, trois modules à fixer sur le bateau, sur le dessus. Je vais les peindre après. Là, je vais faire toute la partie... pour attraper tous les petits défauts qu'il y a sur l'avant, sur l'arrière, nettoyer, dégrossir, poncer toutes les parties à poncer pour que ce soit bien lisse. Et puis voilà. Alors là, je vais mastiquer la coque, poncer la coque et la préparer pour la peinture. Après avoir préparé la coque, et ben là je passe un coup d'après et après la peinture définitive de la coque. Alors je monte tous les derniers éléments qui manquent, périscope, canon de défense sur le sous-marin et toutes les finitions peinture avant de monter tous les haubans.
Là, on a le sous-marin fini une fois fini le montage. Avec les hélices montées,
les gouvernails de plongée, les gouvernails de direction, les hélices de propulsion et toute la castillage décoratif de poser dessus.